dans un jeu mélangé et coupé, le magicien choisit une carte. Alors, par exemple, cette carte-là. Le premier spectateur donne un nombre, un chiffre, entre 5 et 20 par exemple. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous marquez la position avec un joker. Le deuxième spectateur, par exemple 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous marquez la position avec un deuxième joker. Nous avons donc ici une carte près du joker et une deuxième carte près du joker. La première carte choisie, c'est le roi de cœur, et la deuxième, le roi de carreau. Ce qui est très étonnant parce que la carte choisie par le magicien était le roi de trèfle. Mais le plus étonnant, c'est que si on additionne les deux chiffres choisis par les deux spectateurs, là 12 et 8, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nous retrouvons le dernier roi.